Pour certains, bah, je pense que ça y va de la santé de tout le monde. Et la disposition a été prise déjà à l'entrée, comment la disposition à l'intérieur, l'écart, la distanciation, c'est à saluer parce qu'il y a très peu d'événements auxquels nous assistons aujourd'hui qui respectent ces mesures. Et je pense que Castelby a mis les grands moyens pour que les mesures soient respectées. Je pense que les professionnels des médias font ce qu'ils peuvent pour le moment en fonction du carnaval, en fonction ne serait-ce du système dans lequel ils sont. Mais en même temps, les professionnels doivent prendre leurs responsabilités, histoire déjà depuis la création, de savoir quel programme créer. Et il faut dire également que les médias, que ce soit les patrons de presse et autres, doivent faire l'effort d'imposer un certain quota de diffusion de nos œuvres sur les radios et télévisions, histoire de nous aider à booster véritablement ce que nous aimons tant, ce qui nous identifie, qui est notre culture. Mais moi, je pense que pour participer ou pour aller du moins à cette identité culturelle, il faut que... Il faut qu'un travail soit fait. Et ce travail, ça dépend de l'implication de toutes et de tous, en partant bien sûr de la volonté politique, en partant de la disponibilité, de la cagnotte que les acteurs politiques mettent à disposition des artistes et des créateurs. Et il faut une certaine organisation qu'on pourrait appeler une concentration verticale. Ça veut dire une association de tous les corps de métier qui participent à la musique de façon générale, arrangeurs, chanteurs, musiciens, danseurs et tout. Il faut que tous ces acteurs travaillent sur la chaîne de valeur, histoire de nous produire quelque chose. Et pas forcément un rythme pour le Bénin, mais une musique identitaire pour le Bénin. Quel que soit le rythme pratiqué, qu'on sente tout simplement que cet artiste chante béninois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous choisissez votre rythme, il faut maintenant un soubassement au plan percussion et autres pour qu'on sente que ceci, ça a un rythme qui vient du Bénin. Et c'est important, c'est un gros travail à faire. Très belle soirée, simple, sobre, comme je les aime. Et puis j'étais avec de bons copains, donc ça va. La Castel, moi je suis très content ce soir parce que, ancien consommateur de la Castel, je m'y suis remis il y a déjà quelques mois et donc je ne peux être que comblé que ce soir. Bon, je ne sais pas si je peux dire grand chose parce que ce n'est pas mon domaine, mais ce que je sais, c'est que malheureusement, nos médias n'accompagnent pas toujours nos artistes comme cela se doit. Parfois même il est sap, mais on va dire que la jeune génération s'attelle à faire ses preuves et on espère que les médias vont les accompagner. Je crois qu'il faut qu'on revienne à nos rythmes de base. Nous avons l'avantage d'être un pays à diversité culturelle énorme, à richesse rythmique énorme. Nous avons du nord au sud des rythmes traditionnels qui peuvent être modernisés, qui peuvent être arrangés et être exportés. Quand vous prenez le Agbadja, quand vous prenez le Tchinkoumen, c'est l'accélération du Toba qui a donné du Soyoyo. Il y a du Tchin système que Toron nous a montré. Donc la chose est possible. Donc il faut puiser dans l'endogénéité de notre culture pour faire de la musique identitaire. Au lieu d'aller chercher du coupé décalé, chercher du ndombolo, chercher du high life ghanéen ou autre rythme européen ou américain pour aujourd'hui porter des messages en langue nationale. Je crois que la langue nationale ne fait pas forcément l'identité d'une musique. En même temps, nous sommes dans un concept de globalisation, de mondialisation. Nous ne devons pas rester totalement fermés sur les rythmes voisins, mais le soubassement
doit d'abord être un travail de finesse sur les rythmes traditionnels que nous avons. Aujourd'hui, quand on dit Agbadia, ça ne te retourne nulle part qu'au Bénin. Quand on dit le Zinli, quand on dit le Akonhu, quand on dit le Toba, quand on dit le Tipenti, le Gogore ou d'autres rythmes, tout ça, c'est du Bénin que ça vient. Donc, ce sont des rythmes qu'on peut travailler, moderniser. Et quand on les joue, même accompagné d'instruments de musique moderne, on sait que ça, c'est le Bénin. Donc, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là.